Je m'appelle Felice Gulotta, j'habite in Italia, in Sicilia, dalla villa di Palermo. Je travaille dans un institut pour la règle et malvoyant. Je suis très heureux de participer avec cet échange in la Picasse avec mon groupe qui s'est composé d'un fils qui s'est avec et après de quatre fils qui sont malvoyants. Le thème du projet, c'est un thème qui peut-être beaucoup difficile pour les jeunes qui ont des problèmes visuels. Mais avec de bonnes pratiques, on peut faire bien mélanger tous les garçons qui ont problèmes visuels avec les autres. C'est important pour qu'il y ait un guide pour les jeunes qui va à expliquer tous les moments de la réalisation du vidéo et qui va à participer activement à toutes les opérations pour la synopsis, pour le storyboard. J'ai toujours parlé avec Rita j'ai toujours expliqué tous les moments du travail. Le stop motion, c'est une technique visuelle qui peut être interdite pour les aveugles. Ma je dis qu'avec de bonnes solutions, il peut impliquer tous les jeunes. Rita, elle a partecipé très activement à toutes les étapes della realizzazione del video. Non ha realizzato le foto, ma è normale. Ma moi, je vais décrire tutte le foto e tutte le storyboard de notre vidéo. Quelques problèmes pour le montage, parce que le logiciel, c'est très difficile pour tout. C'est difficile pour moi, j'ai bien compris le logiciel, parce que c'est un peu difficile. J'ai compris quelque chose du logiciel. Mais je dis que les aveugles, ils vont utiliser l'ordinateur, mais quand ils vont utiliser des images, ils ont beaucoup de problèmes. Ils vont utiliser l'ordinateur avec le mail, avec le file de texte. Parce qu'il y a un voix qui va expliquer tous les mots. Les messages que les vidéos veulent donner à tous les autres sont tous les mêmes, pour les enfants qui voient, aussi même pour les enfants qui ne voient pas. Le message c'est universel. Seulement que la personne qui voit, ils ont un message direct, mais les enfants aveugles, les enfants qui ont beaucoup de problèmes visuels, ils doivent écouter des autres toutes les images qu'il y a dans les vidéos. Pour moi, c'est ça la différence. Aujourd'hui, nous avons fait la présentation de toutes les vidéos qui ont réalisé. Ce sont 7 vidéos qui ont fait tous les groupes ensemble. J'ai décrit à Rita toutes les scènes de toutes les vidéos.
beaucoup de scènes sont beaucoup simples. De sorte un peu plus d'imagination. Ma elle a bien compris les messages de tous les vidéos. Notre vidéo, nous avons choisi pour la première chose, nous avons choisi le slogan. Nous avons choisi le slogan Respect Difference. Et avec le slogan, nous avons créé après les vidéos. Le slogan, c'est le point de parte de notre vidéo. Je pense que la technique de la stop motion è peut-être réalisable avec un mélange de garçons. Dans le groupe, il y a des aveugles et des malvoyants. Les malvoyants un peu faire de guide à les aveugles. Et ensemble, un peu, tout ensemble, réaliser un vidéo de stop motion.